Salut à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur GTA San Andreas. Alors on est un mercredi, comme promis je ferai des vidéos le mercredi. On est mercredi et là vous pouvez voir que j'ai réglé à peu près le calibrage, enfin le réglage du système vidéo pour que ça soit bien droit, que vous voyez bien. Bref, une vidéo, c'était pour... je fais une vidéo, c'est-à-dire la vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est les avantages et les inconvénients, enfin, les inconvénients, enfin, comment dire, avec ou critique. En gros, je vais critiquer, je vais dire si je suis pour ou contre le scout, sur quoi je suis pour et contre. Alors, tout d'abord, on commence... Ah, c'est... Attendez. C'est donc un magnifique booster. Un speed trop préparé. Une ligne complète débridée. Ou c'est un R, pardon. Attendez, je vais juste bien tout régler. Voilà. Ou ça R. Ça, je sais plus si c'est un carbu ou quoi. Enfin, sinon, voilà quoi, il est très bien. Carrosserie, très belle. Noir et blanc, j'adore. Guidon pour le run. Bon, bref, frein et disque, logique. On commence tout d'abord par le bruit. Le bruit, alors, on va mettre du son. Ah voilà pour le bruit. Alors pour le bruit, j'aime pas trop, j'aurais préféré un meilleur bruit. Pardon, excusez-moi pour les problèmes de caméra. Oh là là, ça m'énerve ça. Oh, vraiment que je m'achète de un truc pour tenir. Bref. Un son... un bruit un peu dégueulasse, on va dire. À part qu'en recul, c'est bien stylé. Attendez, regardez. Mais sinon, c'est un son, un bruit, pardon, plutôt dégueulasse. Je vais faire deux vidéos, je vais essayer. Après, qu'est-ce que j'avais à dire? Guidon pour le run. Ça, j'ai dit. Et là, on va donc voir la vitesse max. C'est parti. On va mettre du son. Pendant que je fais les tests, je ne parle plus. Ah voilà, vous avez pu voir la vitesse de ce speed trop près.
La vitesse, ça va, quoi, mais pour gagner un petit peu plus de vitesse, faut tourner un peu. Ah oui, en fait, on est sur PC, vous en doutez, à mon avis. Alors, faut tourner un petit peu, de droite à gauche. Et bah, vous gagnerez un petit peu de vitesse. Moi, je dis, ça va être tout pour cette vidéo. Je pensais qu'elle serait plus longue, mais non, mais bon, vu qu'elle n'est pas très très longue, je vais vous faire une autre vidéo, une deuxième vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous dis, ciao tout le monde!